Et salut à toutes et à tous, c'est Chou, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 12 de Sail Away, The Sailing Simulator. Aujourd'hui, je suis toujours tout seul, Némissa ne m'accompagne pas pendant un mois et demi, mais ça, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière. Et aujourd'hui, les amis, on a passé toute l'Afrique, le Cap de Bonne-Espérance, et on va voir, parce que mon bateau, apparemment, tangue pas mal. Donc du coup, on va aller voir ça. Et aujourd'hui, on va se mettre en basique, on va enlever l'automatique, on va essayer de bouger certaines voiles, voir un peu ce que ça donne. Je suis encore novice, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut essayer de temps en temps en mode basique et pourquoi pas en expérimenter beaucoup plus tard. Parce que notre voyage, c'est un long voyage. Donc du coup, on est parti de la Bretagne et on va à Tokyo, au Japon. On a fait toute l'Afrique. Maintenant, on va aller vers l'Australie. C'est un long périple qui nous attend, mais bon. Allez, c'est parti les amis. Épisode numéro 12 de Sail Away. Let's go. On est directement dans plein cœur d'une tempête, les amis. Regardez-moi ça. Toutes les vagues, le vent. 31 nœuds nautiques, le vent et 29 ressentis sur le voilier. On est à 8,3 nœuds nautiques. C'est pas mal du tout. Regardez-moi cette ambiance. Une ambiance de fou. Mais franchement, c'est une sacrée ambiance, les amis. Un truc de malade. On est en route. Allez, je remets un petit peu le... Voilà, on s'est arrêté là la semaine dernière. Le bateau a bien avancé. On est ici. On est en route vers l'Australie pour pouvoir remonter après vers le Japon. C'est pas mal du tout. Alors, on a de la route à faire, hein, mais pour arriver à ce point-là, le bateau va mettre environ 5 jours. Donc du coup, la semaine prochaine, on sera à peu près ici. On verra ça. Mais pour l'instant, ça bouchonne pas mal. Ça bouge, quoi. Ça bouge pas mal. Allez, on va se remettre à l'intérieur. Et là, c'est complètement saisissant. Rien à dire là-dessus, c'est incroyable. En tout cas, j'adore. Franchement, j'adore. Oh, cette ambiance. Bah, là, c'est un truc de ouf. Hein. Oh là là, on va se prendre de l'eau, mais laissez tomber. Ouh, un beau petit soleil. Pas mal. Ah ouais, regardez. Ouf. Oh là là. Impressionnant. Impressionnant. Bon. Allez. On a dit qu'on jouait le jeu. Donc du coup, on va se mettre à niveau gameplay. On va se mettre en basique. Hisser et affaler les voiles. Et border les écoutes vous-même. Le jeu vous indique comment effectuer les réglages. Donc du coup, voilà. On va se mettre en basique. On va voir un peu s'il y a des réglages à faire. Allez, on reprend. Let's go. Donc du coup pour l'instant ça va, faut faire gaffe, ça a l'air d'aller. Le système, non c'est où qui me dit, groupe francophone, non, l'aide pour l'instant il n'y a pas d'aide. Donc pour l'instant on est bien et le bateau continue à bien avancer, donc du coup ça va. C'est à dire que les réglages sont restés corrects, on va quand même surveiller nous. La voile est un peu bizarre là, je pense que c'est un bug, ça doit être un bug là, ça c'est clair. Oh, l'ambiance, le son, incroyable, incroyable le son, superbe. On va faire une petite photo. Voilà, c'est super. Ah bon, on avance à 8 pour l'instant. Les pneus sont à peu près bien, donc du coup ça va, j'ai rien à bouger. Le système me dit rien au niveau des réglages. Acide. Et l'écoute de la grande voile est trop choquée. Essayez de l'attendre ou déplacer le chariot du vent. Allez, on va se mettre ici. On va essayer de déplacer le chariot. C'est peut-être comme ça. Voilà, là c'est bon. On va se mettre comme ça par rapport à son réglage à lui. Ok, ça remonte, ça remonte. Là c'est pas mal, là c'est pas mal. Ça, c'est bon. Faites en sorte que les pneus, les petits rubans qui flottent au vent, produisent un flux d'air uniforme. Alors, ils sont comment? Ils sont très très bien. Voilà. Là, on est bien. On surveille. Déferler le génois à 40%. Déferler le génois à 40%. Alors, le génois, il est où? Le génois, ici. Et on va le déferler à 40%. Donc, du coup, on va le mettre à 60, c'est ça? Si je comprends bien, c'est ça. Voilà, on a l'air pas mal. J'espère que j'ai bien compris. À 50%. Ah ouais, il faut rester là. D'accord, ok. Ok, ok, t'inquiète pas. On va rester concentré. Non, je me suis trompé de côté. On va le mettre à 50. Allez. Allez, plus vite. Là, voilà, on va laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire là? Parce que les pneus du génois ne sont pas super. Mais pour l'instant, ça va. Apparemment, on n'est pas trop mal. On avance bien. Ok. Ferler le génois à 0. Ok. Et hisser le jib. Alors.
C'est un truc de fou, il y a plein de choses à faire. Du coup. Ah, on va le remettre à 100%, voilà. À 0%? Non, c'est bien ça, c'est bien ce que je veux dire, voilà. Ok. L'écoute de la grand voile est trop bordée, essayez de relâcher ou déplacer le chariot du vent. Ok. Attention, non, de l'autre côté mon gars. De l'autre côté j'ai dit. De l'autre côté, on se trompe pas, on se trompe pas. Allez, on est à fond, dans l'action les amis. On est dans l'action aujourd'hui. Et on va rester comme ça tout le temps maintenant. C'est super. On a perdu de vitesse, on a perdu de vitesse, pourquoi? Ici le jeep, ici le jeep, hop. C'est chaud chaud chaud. Il est où le jeep? Là, l'autre côté. Voilà. Le jeep, il est là. C'est le drisp certainement. Allez. Allez, on y va, on y va, on y est. Allez les amis, on y va. Allez, on va le mettre à 100%. Ouais, c'est pas mal, c'est ça, c'est ça. Je la mets à 100%, comme tu me l'as dit. Maintenant, c'est le chariot. On va laisser comme ça, ça a l'air pas mal. Alors, le chariot. Voilà. Là, ok. Déferler le génois. Oh, c'est du sport, hein, je vous le dis, moi, la voilier, c'est du sport, hein. On le sait, hein, mais c'est chaud, chaud, chaud. Déferler le génois à 30. Parfait. Affaler le jib. Affaler. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est chaud aujourd'hui. Ah, il fait le jib tout seul, regardez. Ok. Cool. Et ouais, parce que moi, en débutant, c'est que le chariot et la grande voile. Mais bon, je peux faire aussi le jib. D'accord, il a fait à 100%. Ok. Faire les génois à 20%. À 20% il a dit? Ah, c'est ça. On va laisser comme ça, on va voir. Bon, en tout cas, ça avance, c'est pas mal. Ne m'en voulez pas, hein, si je, vraiment je fais des erreurs, mais on débute, hein, donc sur le jeu, et c'est pas comme ça qu'on apprend les bases d'un voilier non plus. Hein. Faire les génois à 10%. Donc faire les. En fait, je vais faire des efforts aujourd'hui. Allez. Ok, c'est bon là. C'est là d'être bon. Faire les genoux à 10%. Je suis à 8. Alors on va se remettre à 10, à 10. Voilà, 10 piles. Ah, il veut vraiment que ce soit 10 piles en fait. Alors restons ici. Ah, quoi que je remette à la barre, hein, on sait jamais. Bon, du coup, on avance, c'est bien, les amis, c'est cool. Ce sera une vidéo plus longue aujourd'hui, mais vous inquiétez pas. L'écoute d'un grand voile est trop bordée. Essayez de relâcher le chariot. Ouais, 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 ouais. Allez, chariot. Allez. Non, de l'autre côté. Voilà. Allez, allez, allez. Allez. Ah non, c'était. Ben. Voilà, c'est mieux. Allez. Parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est pas mal. Là, on se prend de la flotte. Laissez tomber. Le ferrier, le génois à 30. Enferme le génois à 30. Allez. Allez, ça va trop vite. Super sensible. 29, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Ok. Bon, on avance, 40, c'est un truc de fou, hein. Le génois, il faut vraiment rester à côté, en fait. Alors, on va le mettre à 40. Allez, à 40, j'ai dit. À 42, ça devrait être bon. Là, je crois que c'est le chariot, il est pas bon, là. Le génois à 50. Écoute, la grand voile est trop choquée, ouais. C'est ce que je peux comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Allez. Voilà, parfait. On se remet comme ça. Parfait. On est bien, les amis.
Faire les génois, 0. Et c'est le jib. Le jib, tu le feras. Moi, je vais faire le génois. Allez. Voilà, on reste concentré. Yes. Non, Ferli, il a dit. Ferli. Voilà, parfait. Ok. Larguer un risque de la grande voile, ferrer le genou à 0 et hisser le jib. Bon, on avance pas mal. On va voir s'il le fait automatiquement là. Bon, on a vu qu'en débutant, c'est pas mal. Il y a pas mal de sport quand même. Alors, j'imagine même pas en expérimenter, les amis. Alors, on va faire un petit tour du bateau de notre petit voilier. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Quel temps de fou! Quel temps de fou! Allez, vue extérieure un petit peu. Oh, pas mal cette vue là. Pas mal cette vue. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait quelques petites erreurs dedans, mais bon. On a réussi à bien avancer quand même. Du moins, à bien bouger les voiles, le génois, le chariot. Et c'est un bon début en tout cas pour moi en ce qui me concerne. J'espère que vous serez contents. Et on vous dit, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Sail Away the Sailing Simulator, le numéro 13 la semaine prochaine. Et je pense qu'on aura bien avancé. Si on regarde la carte, on sera à peu près ici, en plein milieu de l'océan, en route vers l'Australie. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.